Coucou tout le monde, on se retrouve pour la vidéo pour vous montrer les achats scolaires. Je vous ai pas fait la sache à fourniture scolaire parce qu'il y avait plein de monde dans les magasins quand on est allé, et là je compte vous montrer maintenant. Alors ça sera fait. Et ce qu'on a acheté pendant les vacances, les cadeaux des enfants, je vous montrerai plus tard ce qu'ils ont encore mis ça. Comme pyjama hier, donc je peux vous montrer. Mais ouais, je vous montrerai. Et du coup, hop, on a fait les achats à scolaire à Leclerc. Bon, du coup, je vais vous montrer tout ça. Donc, Nolan, hop, il a choisi un nouveau cartable pour la rentrée de la crèche. En ce moment, il est fan de Sam le Pompier. Donc, du coup, hop, il a choisi Sam le Pompier. Kenya a choisi Miraculous pour sa rentrée, hop, en petite section. La deuxième année de petite section, donc du coup, il a changé, hop, un petit cartable, hop, à roulette. C'est pas très grave. Et Léo, hop, a voulu changer de cartable. Donc, hop, il a pris un sac. Je sais pas trop ce que c'est. Ouais, Lego, quoi. Et du coup, hop, il a pris un sac à roulette. Parce que vu qu'en CE1, hop, il a le droit d'avoir un sac à roulette. Donc, du coup, hop, on a pris un sac à roulette. Là, c'est toute sa fourniture scolaire. Après, ce qui nous manque, des trucs, mais toi, je vous en dirai plus qu'est-ce qui nous manque. Donc, toi, je vais vous montrer tout ça et je vais vous expliquer pourquoi on a acheté en double, voire en triple. Donc, le taille crayon, hop, il a voulu le changer pour l'année prochaine. Et il gardera l'autre pour la maison. Donc, hop, il a pris celui-là. J'enlèverai tout ça. Avant. Alors, hop, il avait besoin de 4 stabilos, donc le jaune, le vert, le orange et le bleu. Donc, du coup, hop, on a pris un jaune. Oui, bon. Voilà. Bleu, vert et orange. Et je crois qu'il avait le orange déjà qu'on avait pris l'année dernière, mais hop, hop, il a voulu reprendre des crayons à papier. Normalement, ce qu'il faut, un crayon à papier, mais il faut deux crayons à papier, deux réserves. Qu'on met ça dans une petite boîte. Donc, du coup, je lui en mettrai un et je lui mettrai deux de réserve, comme ça, voilà. J'ai pris des étiquettes comme ça, mais toi pour coller, ouais, t'as sur les. Sur les crayons et tout, mais je rachèterai les étiquettes que j'avais aussi l'année dernière. Non, ça, je vais vous montrer ça après. Hop, il a repris une gomme. Après, celle de l'année dernière, hop, elle est encore bonne, mais je pense que ça va servir là pour là au pire. Hop, il a choisi une autre règle. Après, j'espère que celle-là, il pourra la prendre, parce que je sais pas ce que l'année dernière, hop, il n'avait pas le droit, mais là, sur la liste, il y avait marqué. Règle plate double, décimètre et non métallique. Donc, je pense que ça c'est bon. Des crayons à Velleda et pour truc comme vous pouvez voir, hop, il faut 6 crayons à Velleda et sur la liste une ardoise blanche, plus hop, en fait Velleda. Et sachant que. Sur l'ardoise, il y a déjà hop, un feu de Velleda. Donc là, du coup, dedans, il y en a 4. Et je sais qu'on en a pris 2 en plus, je crois. 2 hop, en plus, qui fait 6. Donc du coup, ça ira dans sa réserve. Hop, on a pris de la colle. Mais stock de colle, quoi. Voilà, parce que là, il faut le stock. Parce que de la colle, pour le stock de colle, ce qu'il faut. 6 types de colle. Donc, du coup, pour les colles. Donc, là, il y en a 5, donc 1, 6. Donc, ça sera au point d'arrivée des colles. Et là, voilà. Ça. Ce qu'il a voulu reprendre des crayons de couleur. Du coup, hop, on l'a essayé de reprendre des crayons de couleur. Il a voulu reprendre des feutres. Donc, voilà. Et ceux-là et dernières resteront à la maison, du coup. Le chiffon pour
Pour le truc Velleda, j'avais l'année dernière, mais c'était pour l'ardoise à craie, donc je voulais pas mélanger. Des crayons Bic, donc il y a deux bleus, non, trois bleus, trois noirs, deux rouges et deux verts, et sachant qu'il faut une réserve de un stylo vert et deux stylos bleus. Donc du coup, hop, il pourra faire la réserve. Et il fallait aussi des crayons comme ça, de friction. Les crayons qui s'effacent et qui coûtent méga cher. Donc là, pour l'instant, hop, on lui a pris deux. Donc, ouais, sans réserve, mais au pire, s'il en faut, hop, on prendra. Parce qu'il a voulu d'autres pochettes, parce que les ciels, en fait, je voulais les garder, mais ils étaient à moitié déchirés. Hop, il voulait pas pour l'école. Donc, hop, il fallait deux pochettes. Donc, hop, il a pris une orange rouge. Ou est-ce que. Moi, hop, elle rend rouge, mais sur la caméra, ce qu'elle rend bleu. Orange. Bleu. Hop, il fallait un classeur. Donc, le classeur, hop, il a choisi celui-là. Mon petit classeur, il est mignon. Voilà. Et il fallait un protège-document 48. 48, je trouve pas ça énorme. Mais... Après, toi, j'ai suivi la liste, hein, donc du coup, hop, on a pris un comme ça. Parce que l'année dernière, hop, en CP, s'il avait 60 vues, et là, je sais pas. En CE1, hop, il faut un 40 vues. Donc voilà pour la liste. Là, sachant qu'il nous manque la boîte à mouchoirs. Attends, faut qu'on retourne la. Donc, je vous reprends face caméra parce que j'ai un souci, je sais pas. Ouais, je vous disais, pour Kenya, ouais, ça sera juste. Ouais, qu'est-ce que je serai? Hop, à la rentrée. Donc, du coup, voilà. Je vous reprends très vite, du coup, pour vous montrer tous les achats qu'on a fait pendant les vacances. Des petits et tout, et je vous reprendrai après pour les vêtements et tout, parce que là, du coup, je suis en retard dans toutes mes vidéos, donc mais j'essaierai de faire hop avant la rentrée parce que le 31 au soir, j'aimerais bien vous montrer les tenues des petits, donc du coup, ouais, j'espère que je vais me remettre à jour dans toutes mes vidéos. Donc, du coup, voilà, je vous laisse pour cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!